les moyens de dégager un peu de sens maintenant. Commence, mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Pa 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 p
Je vais jeter le rêve comme mon puits de colère. Plus t'es dit que tous les brillants mais la mer. Que continue Cette chanson va être pas pour l'ensemble, mais pour une personne qui s'est cachée parmi vous. Attends, non, lève pas la main. Cette personne, on va expliquer un peu comment la reconnaître. Alors, cette personne, elle a certainement des lunettes, une montre, voire une gourmette. Peut-être même un collier ou un truc. Oui, regarde, oui, là, oui. Toi, on s'en fout que t'aies pas de montre, un collier et un chapeau. C'est quand même déjà pas mal. Alors, cette chanson, elle va être pour toi, parce qu'avec un chapeau, des lunettes et un collier qui brille, c'est un peu toi le riche de la soirée. Donc je propose que... Bah oui, en cette période de crise, quelqu'un qui arrive à tirer son épingle du jeu, on peut quand même s'en féliciter et l'applaudir vraiment avec notre amour. Alors, si cette chanson est pour toi, les autres, les pauvres, tu lèves la main, tu lèves la main parce que t'es pas content d'être pauvre. Ouais. Ou alors tu siffles la mélodie de la chanson, mais ça c'est un peu plus compliqué. Ouais, bref, c'est dur de s'y faire plus vite. Sur une musique d'Hervé Villa et des paroles de Pokora. Merci. Mais bon. Attends, c'est gentil, mais quand même là c'est un moment solennel. J'ai vu, j'ai tout de suite compris que ce sera pas facile, la vie, à chaque étape. Ils étaient là pour bien me montrer des doigts. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Quelque part, sur Marineland, dans Jim, ou bien un téléachat, tu trimes les 3-8 à l'usine, ou bien le Levallois, ils sont là avec leur lunettes et le chapeau, et en plus, ils se marrent. Ça me fait un appareil photo. Mais qui ça, Paul? Putain, mais les bourgeois. Oh, s'il fallait que je rêve liberté pour trouver la force de me battre avec le comité contre ce qui est en prison ou contre ce qui te ligote. On a du grand capital, on est de la justice sociale contre ceux qui tient jalousement les bénéfices d'une politique séculaire d'aliénation de la classe. C'est un
poursuit. Alors, bon, nous sommes les Vandal Picard, vous saviez. Oui. On essaie de faire un truc interactif, donc essayez de vous en... Ah voilà, c'est bon. Alors, l'année dernière, nous les Vandal Picard, on a une chanson, elle est passée 3 fois à la radio. Deux fois. C'est vrai, c'était la nuit. Mais au moins, cette chanson va nous permettre de remercier des artistes sans qui rien n'aurait été possible. Des influences, des maîtres à penser pour nous. Je pense à Elsa, je pense à Julie Zenati, je pense à Alizé. Priscilla. Tant pis pour vous, mais en tout cas, cette chanson s'intitule « C'est l'histoire d'une nuit ». Écoute petite, j'écoute dans une minute, ça va être à toi. Tu trembles un peu, mais pas tant que ça. Dans le refrain de Santiano, c'est toi qui chante le premier. C'est quand même pas normal que je vais venir. Tu sois jamais passé à la méthode rouée. En tout ton mal, en hommage à Marconi. Prochaine chanson, prochain choix. Est-ce que parmi vous ce soir il y a des filles? Tout ça, j'entends rien, les filles! Oh, laisse tomber, c'est grave. C'est nul. Les filles! Ça va, ça va.
Sénat, c'est surfait, c'est prétentieux, c'est tout ce que je déteste. Est-ce qu'il y a des mecs? J'entends rien, les gars. Alors les garçons, on se détend. On va avoir besoin de vous sur cette chanson. Quand je vous dirai « ça va les gars », vous me direz « ouais ». C'est possible, ça va? On essaye un petit test? Ça va les gars? La chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert, ça plaira sûrement à ta mère. C'est le moment pour les versos. Oui, à vos parents, comme à ce que tu ne sois pas verso. Tu vas attendre la fin du repas pour le corps et l'autre. Sélection un peu drastique hein, pour les garçons. Alors ouais, t'as bien fait de te mettre devant moi, tu vas voir, on va se marrer. Désolé pour les postillons, alors je... Toi tu les as dans le dos donc ça te gêne pas vu que... Mais je suis désolé hein, mais j'ai un problème de... d'appareil en terre. Saint-Vallier, Saint-Vallier, il y avait des gens de Saint-Vallier tout à l'heure, j'ai demandé, ouais. Ouais, oui. À Saint-Vallier. De voler, il y en a de voler. Tennis. Bon, alors, stop. Est-ce que c'est quoi la plus grosse ville à côté d'ici? Paris. Oh, rugby. Stop, on se détend. C'est bien sans doute. Est-ce qu'il y a un supporter d'une équipe quelconque, ne serait-ce que l'équipe de Saint-Vallier, de Crapette Rapide ou... Ouais, de Pouilleux des Amiens. Tu serais pas fasciste par hasard? Oh si, oh putain, mais quelle chance on a! Alors!
Mon loulou supporter fasciste. Cette chanson, elle est pour toi. Ouais. Et pour tous les connards dans ton genre. C'est un twist. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui sont chauds pour twister? Je vais te faire la fin, t'es monté la volée, t'es la merde, t'es la merde.
un punk avec une poule d'air. De faire une pause, elle va nous permettre d'accueillir l'invité prestigieux de cette animation musicale. C'était pas Freddie Mercury. Car elle est mort. Non, c'est mieux que Freddie Mercury et c'est mieux que John Lennon car c'est les deux réunis. Le premier batteur ambigu de la chanson française, oui, il est là pour toi ce soir. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit Jean-Marc Sauvagnargue. Le batteur du Metal Picard, où est-il? Jean-Marc, viens, oui, non, on n'est pas peur. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre première partie, d'applaudir Paul. Merci Paul, merci pour lui. C'était vraiment magnifique. On va Paul. Allez, on s'échoue. C'est long. Là, normalement, Billy, tu m'introduis. Doucement. Jean-Marc. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand Jean-Marc était jeune, Jean-Marc était au jeune Giscardien. Alors les plus jeunes ne savent pas qui est Giscard, les plus vieux l'ont peut-être oublié. C'est un peu Bérou, quoi. Voilà, c'est le Bérou de secours, en fait. N'empêche qu'aujourd'hui, Jean-Marc va vous chanter « Mon père était tellement de gauche ». Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la. Nuances de gris, ça flash sur le blanc devant la statue de Lénine. Pour nous, c'était le grand frisson, moins 24. C'était pas terrible, mais les chacas étaient en option. Mon père était tellement de gauche. Quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Gaston, c'est vrai, pour acheter des parpaings. Vous, la 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 la. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour les années. On gardait pas la contrebande, on gardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche que son mariage dans l'église
on chantait l'international. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Les fusils, la priorité à droite, systématiquement. La 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 la. Car à l'école, au premier rang, j'avais des lunettes de Brejnev et le dentiste de Poulef. Mon père était tellement de gauche, en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous, on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, au revoir papa, la gauche est partie avec lui. La 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 la. 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 La la. Jean-Marc, reste avec nous, Jean-Marc. Vous avez aimé la performance de Jean-Marc? Comme tout le monde, bien sûr. Je n'en ai pas perdu de miettes en coulisses. Alors Jean-Marc, tu vas rester avec nous car... Tu peux chanter un morceau? Oui, tu vas chanter un morceau avec nous qui un va peu rendre... plus près des étoiles. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je m'en rappelle plus. Un peu plus près des étoiles. Jean-Marc, merde! Ok, bon, on va vous chanter autre chose, on va vous chanter un truc à nous. Alors, figurez-vous que là, on s'éclate, c'est la fête. Mais à la fin de l'année... Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai que tu la connais, genre, ça. Vas-y. Oh, non, mais non. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est pas, si c'est pas la fête de la musique, Paul. C'est pas la fête de la musique. Alors, on va chanter nos propres chansons. Oh, allez, on enchaîne. Allez, vas-y, Jean-Marc, tu vas les faire. Jean-Marc, mais enfin... Vous n'êtes pas venu voir la compagnie de l'homme? Non. Alors, messieurs, dames, tout le monde est là à nous regarder, bien sûr. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, tout le monde va mourir. Vous en êtes conscient quand même? Oui, mais ça vaut le faire sourire, c'est quand même la vérité. Alors, rassure-toi, les Américains ont construit des bateaux, des arches gigantesques pour essayer de sauver le maximum de gens. Alors, ils vont pas pouvoir sauver tous les Français. Toi, malheureusement, tu vas mourir. Toi aussi. Et toi? Il y a un seul Français qu'on va sauver en fait. C'est votre personnalité préférée. Vous savez qui c'est pas votre personnalité préférée? C'est qui? Vas-y Jean. Aujourd'hui c'est la fin du monde, on va tous crever sans ceux qui ont pris leur billet. Ouais. Les riches, les hommes politiques, les animaux, ceux qui font joli dans les eaux. Comme les girafes, les lions, les éléphants. Mais pas les facochères ni les vieux allemands. Non, non, non. Non, 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 non. On est comme ça, nous on veut bien crever, mais sauver Yannick Noah. Voici Yannick, comme en 1983, la France elle compte sur toi. Pour aimer les arbres comme le font les rastas, des feuilles à la racine sans se brûler les doigts. Yannick, on est tous avec toi. Twist, twist. Ça va? Sûr que tout finira bien, que le nouveau monde ne ressemble pas à l'ancien. Sans compter les femmes pour repeupler la terre et faire la vaisselle quand elle sera repeuplée. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Et plus plein d'enfants pour toucher plein d'allocs. Sinon comment est-ce qu'on pourrait faire sans alloc pour reconstruire le monde de demain sans s'équiper chez le roi Merlin? Et puis à toi, toi le dernier des rastas, pour montrer la voie, dire que tout roulera, que ma
marché les prix du sang, je prends des tannos, pas que tu le fais depuis Roland Garros. Vas-y, Yannick, comme en 1980, la France est compte sur toi. Pour aimer les arbres comme le font les rastas, des feuilles à la racine, faire brûler les doigts. Yannick, on est tous avec toi. Tango, 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 c'est pas. T'es préféré des Français, loin devant Zidane, Danny Boone et Touillet. D'ailleurs ce n'est pas, quand on y pense, Danny Boone qui pourrait sauver la France. Et puis je vois pas à quoi ça servirait. Le jour de la fin du monde avec, avec un Kawhi, avec un Kawhi. C'est vrai qu'on aurait pu aussi se cotiser pour sauver Christophe Maé. Et à 60 euros, la place de concert, y'a que Yannick Noah qui méritait d'être là. Vas-y Yannick, comme en 1983, la France elle compte sur toi. Pour aimer les arbres comme le font les rastas, des feuilles à la racine sans se brûler les doigts. Yannick, on est tous avec toi. Vas-y Yannick, comme en 1983, la France elle compte sur toi. Pour fumer les arbres comme le font les rastas, des feuilles à la racine sans se brûler les doigts. Yannick, on est tous avec toi. Lampada, Saint-Vallier. Ça va ou pas? Ouais, c'est excellent. Alors bon, cette chanson elle est vachement bien. En fait j'avais aussi une intro avec une bonne blague mais je m'en rappelle pas. Donc en fait cette chanson elle s'intitule Le retour à la terre, parce qu'en fait attends, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui retourne à la terre. Non. Et puis grosso modo, elle t'explique que pour le prix d'un clapier à Paris, tu peux avoir un manoir à Saint-Vallier. Le rondel à la guitare. Allez. Saint-Louis pour le paradis, j'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour un foire, un arrêt, un jour de vent. C'est au bord de la plaine qu'on porte une rivière. Dans un chemin vivi appelé le désert. Un dans le 16e, dans un pote de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux des bois. Pour la mélo, le débit à la mer. Pour l'électricité, il n'y a pas de solaire. J'ai gardé les nuages, ah, c'est toi qui pédale. Si c'est du plus d'une heure, c'est toi qui pédale. Le plus pour tout suite est à 25 km. Le premier Moi je veux pas crever pour l'instant au bout d'un rêve japonais.
Enfin, c'est pas grave en soi, finalement. Comment s'appellent les habitants de Saint-Valien? Les Saint-Valien, oh, bon, c'est pareil. Ah, d'être... C'est le début du racisme, ça. Paul? Oui? Est-ce que tu savais que c'est un Saint-Vallier qui est mort, le dernier enseignant? Eh ouais. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tu m'as fait peur, Béli. Vu que c'est samedi soir, il y a certainement des professeurs ou des instituteurs qui se sont permis de sortir. Voilà. C'est pas leur semaine de travail qui les a fatigués. Alors, oui. Allume la salle qu'on voit un peu quand même. Ah voilà, voilà, voilà. Voilà. Toi, Lisa, toi, non, on cherche des vrais profs. Non. Celui qui est prof d'entre eux, toi, oh regarde. Ça va, c'est cool, tranquille. T'as pas bossé aujourd'hui en fait. Ouais. T'es en quoi, dans quelle école? Les petits, ils sont tellement mignons. Tu commences à 9h quoi. Ouais. Ouais, 9h10 quoi. Tout ça se fait du bien. Allô, cette chanson est pour toi. Et pour tous les autres dans ton genre. Cette chanson s'intitule La sécurité de l'emploi. Alors, pour ceux qui la connaissent, à un moment donné de la chanson, il faudra dire La sécurité de l'emploi. Ok? Non? Ouais. Alors, oui. Alors, ceux qui la connaissent pas, former des équipes entre ceux qui la connaissent et ceux pas, comme ça on s'arrange. À un moment donné, je vous ferai comme ça et vous ferez la sécurité d'emploi. Ça va? Vous suivez? Ça va les enfants? Vous voulez que je dise un gros mot? Ciao ciao. Non, je rigole. Ah, je peux tenter des trucs quand même. Ça va. Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel sera arrêté pour les scouts qu'il aura piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop tiré. De français, du kickboxing, du karaté. Tant que pour la géographie, ce qu'ils connaissent de l'Italie, c'est juste seulement les spaghettis. En gros, si Freddy, au programme de cette année, en France, il faudrait arriver à lire tout en livre en entier. Mais maintenant, on est mal clémé, plus fort que vocabulaire. On sera toujours en l'air, ça n'a pas l'hiver. Et on voit un peu me dire à bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas ce que c'est bossé. À quel point c'est même le moteur, aussi bien moins qu'un facteur. Et donc, je peux même pas trop bronzé sans copine. Ah oui, j'ai pas trop bronzé. Un café. Mais j'entends quand même des bombards. Je comprends pas la sécurité. Mais t'es pas c'est pas bon. C'est une étude, c'est pas sous l'air. J'ai une trente trente pour des secondaires. Dans ce moment, on croise et vivre sans pas trop bronzé. C'est des canards et l'entraille. Il va se faire à qui c'est un rire. Je voulais vendre ce qu'il voulait faire le contraire. J'ai dit c'est la cause à peine d'être qu'il ne voulait pas. De trop gros actes, mais je peux quand même dire qu'en bas, je compte même pas. Les directeurs du ministère nous ont concerné les rues pour les lumières. On le fait même pour magnifier les prochaines réunions. Où vont décider si on peut donner son instruction. Fini les notes, tout en son droit. Sans juste leur envoyer des SMS dans le restant. L'évaluation, c'est pas tant qu'il a fait ou il est décédé. Thank you.
Oh!
contre très vite pour pas qu'il me rattrape. La voix elle me dit Merci. Donc quoi, tu vois, on peut s'amuser mais en même temps réfléchir. D'ailleurs, on va continuer dans la réflexion pure avec une chanson qui nous a valu le Grand Prix Humour 2007. Je sais pas si les membres du jury sont venus. Cette chanson, elle parle bien sûr des parents qui veulent se bouger une soirée mais qui ont des enfants et qui ne savent pas comment faire pour les faire garder. Alors bien sûr, la famille, la babysitter, mais souvent, bien sûr, on a personne. Alors comment faire? Les emmener à la soirée, faire chier tout le monde? Tu peux les congeler. Par contre, s'ils l'emmènent à une autre soirée, tu les recongèles pas. Alors, parce qu'un enfant qui a déjà été décongelé, il marche moins bien après. Alors, cette chanson est-il la jusque dans son titre? J'aimerais saluer la mémoire de Bob Marley qui a écrit la moitié des paroles. Non, c'est blague. Cette chanson s'intitule Premier de la classe. Tout le monde passe la journée, collé au tour de soin. Les machines préférées
Ça va? Quoi non, casse-toi. Non, je rigole, reste, celle-là elle est géniale. Celle-là elle est géniale, c'est Mélène Fernand qui nous l'a dit. Les paroles vont réfléchir. Y'a des enfants, y'a des mineurs ou pas? Bouchez-vous les oreilles. C'est trop... Oui, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en couple? Oui, il y en a. Vous? À poil. À poil, non, ma puce. Ça va faire chier ton père, tu sais, et pas gâté. Alors... Oh, regarde le petit coup. Alors... Bon. Vous êtes tellement mignons, vous deux. Toi avec ton appareil. Toi avec ton... Alors... Cette chanson, rassurez-vous. Elle n'est pas pour les couples. Affichent effrontément leur amour aux yeux des autres qui sont peut-être venus tout seuls et célibataires. Je sais pas si. Est-ce qu'il y a des gens qui sont seuls? Est-ce qu'il y a des filles qui sont seules? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont seuls? Je suis dans la chambre numéro 8, à l'auberge, à la bonne auberge. Elle aime vraiment l'amour. Non, pas l'amour à la française.
C'est gentil, il est mignon ce petit. Oh, tu es bien trop jeune pour moi, malheureusement. Cette chanson a été écrite par Jennifer, la chanteuse de Superbus. Non ? Vous connaissez Superbus ou pas ? C'est pour quand même tenter de vous dire que les paroles sont assez simples à comprendre. C'est une histoire d'amour. Au début, la fille, eh ben, elle n'aime pas le garçon. Mais à la fin de la chanson, elle l'aime. Yeah.
c'est là. En arrivant dans les loges, on s'attendait à avoir du vin venant de la région, il n'y en a pas eu. Heureusement, le public était là pour compenser un petit peu. Merci. 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 Merci pour votre rappel. C'est chaud. Alors, non, on n'allait pas partir comme ça. On avait dédicacé une chanson aux garçons tout à l'heure au début de l'animation musicale. Les garçons sont encore là, je ne sais pas. Oh là, c'est un petit peu moins. Hein, les garçons là, merde. Baissez les mains, celle-là, elle n'est pas pour vous, elle est pour les filles. En fait, on aurait été des filles comme vous. Regardez là-bas.
là-bas, regardez là-bas. Non, Arrêtez. Waouh. Je vais te faire trop longtemps.
fois un barrage qui vient de craquer. Vous m'appelez Bernard Lagrange. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un peu de confiance sur les billets. Vite à plomb Bernard, il aura une idée à vous. Thank you.